Un peu vos coms, mais après je me lève, faut que je me prépare aujourd'hui le spectacle de Swan. Donc pour les personnes qui m'ont demandé pour les locks, non, moi j'ai pas perdu énormément de cheveux étant donné que en fait les locks qu'elle me fait, elle me tresse en dessous et après elle locks par-dessus. Donc en fait c'est comme si je me faisais des tresses lâchées. Donc moi je perds plus de cheveux quand je fais des tresses collées, déjà pour commencer. Et non, pas plus de cheveux que ça. Les cheveux que tu perds, c'est ceux que t'as pas pu brosser, parce que normalement t'es censé te brosser les cheveux tous les jours, donc tu perds des cheveux tous les jours. Mais je perds pas plus de cheveux que ça. Les vidéos que vous avez beaucoup aimées de Fifi, ce sont celles de Fifi sur le bateau, qui se prend des rafales de pluie et qui en peut plus. Et si la Fifi, elle perd son bob, voilà, les gens sont morts de rire. Bon, Fifi, eh bien, sénégalaise, manjac. Voilà, elle n'est pas antillaise. Je n'ai pas à me chauffer avec les yoles cette année aussi, je suis âgée. Je ne peux plus supporter des rythmes comme cela. Je suis fatiguée. Et j'aimerais, la prochaine fois que je vais en Martinique, emmener mon fils. Donc, franchement, je vais pas aller faire les yoles avec mon fils. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est parce qu'il faut pas qu'il s'ennuie. Enfin, voilà. Aussi, la vidéo bloquée dans l'ascenseur, c'est aussi votre favorite. Alors, c'est là depuis cet été. Tout le monde m'en parle. Mais franchement, si vous aviez été dans nos corps au moment où on avait l'impression qu'on allait rester en cet ascenseur où il faisait 50 degrés, mais je rigole pas. Hein. Il faisait une chaleur, on le prenait juste parce qu'on avait quoi, 3 étages à descendre. Donc nous, on prenait l'ascenseur pour éviter de prendre les marches, quoi. On faisait les paresseux. Quoi? 50 degrés, on s'est vu rester bloqué là-dedans. En plus, c'était pendant le tour des yoles. On savait pertinemment que personne allait venir nous débloquer. Les gens, ils allaient finir à 2h du matin. Et puis en plus de ça, pour faire quoi? Pour nous dire, ah, mais on va trouver une solution, mais plus tard, quoi. Non, non, là, on s'est vu crever, hein. Je vous dis la vérité. En 15 secondes, notre sang, il est monté au cerveau, il est redescendu, il a tout fait. Toutes mes copines sont archi trop drôles. Sinon, franchement, c'est l'ennui. Et si c'est l'ennui, c'est pas trop pour moi. Toutes mes copines sont trop drôles. Toutes. Je réfléchis là. Toutes. Ouais, c'est tout. Finir. Ce matin, je me suis gale up devant l'école. Vous savez, j'avais les hugs, les plateformes. Je sais plus comment elles s'appellent, je m'en fous. Et j'étais pressée, je descends, mais marche vite, on est en retard. Marche vite, gauche, c'est tordu, je sais pas où j'ai marché. Mon pied s'est retrouvé en travers de la chaussure. Dans la terre, là j'ai gâté mes hugs, j'ai trop la rage. J'ai gâté mes hugs, j'ai trop la rage. J'avais trop mal au pied. Même Swan, vous savez Swan ce qu'il a fait? Il a mis sa tête dans son manteau comme ça. En mode, il voulait rire, mais il osait pas parce qu'il voulait pas m'énerver. Il s'est dit, Honor, t'as, elle se tord la cheville, elle se get up. Je vais pas en rajouter. C'est mon fils. Il avait la tête comme ça. T'as le manteau. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu veux rigoler? Et il faisait comme ça. J'ai dit, tu veux rigoler? Je lui enlève son manteau, il est en train de mourir. Il était mort de rire. On était mort de rire ce matin. De plaisanterie, je vous ai dit hier que j'allais vous montrer comment participer pour l'achat de cadeaux aux enfants, pour les enfants qui passent Noël à l'hôpital. Via l'association AIBA. Hier, je vous ai dit que je le ferais, mais en fait, hier, on était hyper en retard pour aller manger avec Swan. Du coup, je le fais maintenant avec vous. Je vais prendre un deuxième téléphone, je vais vous montrer. Et en même temps, je vais choisir également les cadeaux que je vais offrir. Cliquez sur association AIBA. Après, Noël à l'hôpital. Ah non, ça, c'est le canal. Excusez-moi, il y a un canal aussi. Vous allez sur ici, les autres liens. Et ici, il y a Noël à l'hôpital. Une fois que vous êtes là... En fait, vous avez des catalogues. Donc là, il y a 3540 cadeaux offerts sur 10 000. L'objectif, c'est 10 000 cadeaux pour le Noël à l'hôpital. Donc, vous pouvez aller voir le catalogue. Et en fait, jeunes de 10 à 14 ans, jeunes de 15 à 25. Et également pour aider les aides-soignants, vous savez, pour qu'ils puissent un peu se détendre parce qu'on sait qu'ils ont des horaires de travail qui sont vraiment très compliqués et très contraignantes également.
Là, je vais commencer par aller chez les tout-petits. Donc voilà, vous voyez, vous avez directement les cadeaux là tout de suite et vous pouvez les choisir, quoi, les prendre. Donc moi, là, je vais prendre ma carte bleue et je vais commencer à prendre tout ce que je souhaite prendre. Et après, je vais changer de catégorie. Je ne vais pas faire que pour les 10-14. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Après, je peux vous montrer également ce que vous pouvez trouver au niveau des 15-25 ans. Ah mince. Accueil. Pardon. Catalogue. 15-25. Y a des coffrets, il y a des plaids. Enfin, il y a plein de choses. Bref, voilà. Donc, c'est vraiment à vous de voir. C'est vraiment. Vous pouvez faire également un don. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement sur le catalogue. Comme je vous l'ai dit, chaque euro compte. Donc, même si c'est 1 euro, ça leur sera reversé. Donc, je vais vous montrer. C'est ici. Faire un don. Et pareil, ce sera pour les cadeaux pour ce Noël. Voilà. La marraine Paola Locatelli. Vous avez également le footballeur Benjamin Pavard. Voilà. Vous avez plein, plein de personnes. Et c'est vraiment une association très sérieuse. C'est fait pour moi. Vous savez, j'ai pris quoi? Vous savez, le jeu, la twist ou twister, où tu dois mettre ton pied couleur rouge, ta main couleur rouge, etc. Donc, en fait, moi, je vous dis la vérité, j'ai pris que des jeux que moi, je kiffe. Je sais qu'ils vont s'amuser, etc. Bon, des jeux où on est un peu. Où on bouge. Des trucs plutôt, des casques et tout pour qu'ils puissent écouter la musique, des abonnements Spotify. J'ai pris aussi chez les aides-soignants parce que je sais que les gens, bah, forcément, ils vont avoir plus à cœur d'offrir pour les enfants. Mais j'ai pris aussi pour les aides-soignants. Mais franchement, il y a plein, plein, plein de trucs et c'est super. Et je sais pas jusqu'à quand on peut faire ça pour qu'ils obtiennent. Parce qu'en fait, je sais qu'ils vont récupérer les cadeaux et les distribuer à l'hôpital directement. Ça s'est pas retiré, on l'a pas enlevé. Et les bébés 60 sont toujours à moins 70. Voilà. Et je suis en train de penser que j'aurais dû me prendre une paire de tan pour moi. Ça aurait fait trop bien avec ma robe. Une paire de tan vernis. Je regrette. D'ailleurs, j'ai pas su choisir hein, entre celle-ci et les nudes. Et c'est pas du tout pareil parce que là, c'est un 10 cm et là, c'est du 12. On verra. J'emmène les deux. L'entrée, il fait trop froid. C'est vraiment un dessin animé. J'aime pas du tout. Hein. Y a pas, il parle pas. Soit tu veux pas choisir autre chose. Baisse le son, s'il te plaît. Choisis autre chose. Il parle même pas, le truc. C'est pour les bébés, ça. T'aimes bien de quoi? J'ai mis un soin dans mes cheveux. Je me pose un petit peu. Après, il faut que j'aie terminé tout ce que j'ai à faire dans la maison. Même si ce matin, j'ai fait le ménage de fond en comble. Ah oui, pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages à l'époque. Oui, Gambi, ton pote là, c'est un arnaqueur et tout, etc., etc. Ils ont retrouvé le gars qui se faisait passer pour lui, qui usurpait son identité. J'arrêtais pas de vous dire que c'était pas lui. C'était des comptes similaires qui font à une lettre près un I, tu vois, un E. T'avais l'impression que c'était lui, mais c'était pas lui du tout. Et du coup, lui a même bloqué ses tels. Il a plus Snap parce que ses tels sont bloqués. Il doit racheter un téléphone pour avoir Snapchat. C'est n'importe quoi. Pipon, presque t'as presque le but. Et voilà. Et voilà. Pas de chance. Tu vas où? Tu vas où? Tu m'embêtes pas depuis tout à l'heure. J'essaie de modifier ma photo pour la poster. Raconter ici. Pourquoi tu rigolais ce matin à l'école sur maman? Ah, est-ce que t'as fait quoi toi? Tu te souviens pas? Parce qu'il y avait un truc blanc à côté. Il y a trop de. Mais il est complètement. Qu'est-ce que tu racontes là? Non mais sérieux en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, arrête. Laisse mon pied.